Bonjour, bonsoir tout le monde. Comment allez-vous? Je dis à m'd'aller parler nous de ça nous le projet 25 qui c'est projet Donald Trump avec l'équipe qui gagne s'il est arrivé pour un pouvoir pour l'année 2025. Nous voulons parler particulièrement 20 janvier 2025. Peut-être que vous attendez parler de lui, mais nous voulons souligner un point ce qui ça va causer à vraiment le projet et 2025. By the way, et nous invitons pour un petit chaise bar, pour un petit moment, pour capable d'entendre qui ça qui est dans le projet ça. Et dans ce que nous avons dit là, si vous ne voulez pas, si vous avez un doute, vous comprenez, parce que vous avez un peu exagéré, vous pouvez regarder peut-être pas sur le website ça, qui est le project25.org, qui est un politique, vous pouvez regarder, c'est vrai que lit en pile, c'est à peu près 2000 pages. Mais on est capable de garder des points spécifiques dans cause de ça pour capable comprendre qui ça Donald Trump vraiment avec l'équipe li gain en jacoute li s'il t'est arrivé pour thèse bourré 20 janvier 2025. On nous dit d'abord pour tout le monde c'est un projet extrême droite pour 2025 qui voulait transformer les États-Unis dans un État militarisé. OK? Et en fait, dans le projet, ça, il y a un pile de bagages vraiment qui exagéré. J'en doute là, on capable de l'île pour compte. C'est des conservateurs qui font. Et où tu n'as presque pas gagné ça, les libertés de religion. Et liberté que tout le monde gagne pour faire ça. Et vous voulez, en fait, pas oublier qu'un conservateur, il a toujours dit c'est le christianisme, la dictature du christianisme. C'est vrai que moi-même, quand je parle avec moi là, moi, effectivement, c'est un produit du christianisme. Mais moi, une bagarre fondamentale, moi, quoi, et ça qui caractérise les États-Unis, c'est liberté pour moun choisir ça pour faire en matière de religion, ça pour faire avec quoi. Nous allons parler avec vous là de trois éléments clés de ça qui gagne dans le projet, a, et gagne plusieurs. Et ça, nous allons parler avec vous là, comprenez bien, c'est simplement nous allons faire un petit gratter surface là, on est capable toujours aller explorer li, dans le projet, j'en ai dit, on va répéter pour encore, projet 2025 ORG, et vous tapez le capable. D'abord, n'avez-vous pas parlé de une révocation en masse qui vous parle faire dans l'administration publique là? Non, on a parlé avec vous là, je vous rappelle que l'administration de l'État, par rapport aux États-Unis, il y a presque 2 millions de monde qui fait partie de l'État. Et pour comprendre bien ça, Abdou là, ça qui bat l'administration de l'État, l'importance qui fait fonctionner, c'est le fait que vous avez un ensemble de scientifiques, vous avez des comptables dans l'ARS, ou capable de dire, il y a des droits, des experts. Dans FDI, il y a des docteurs. Dans le sens que job, c'est by des analyses, des données objectives, sans parti pris, sans partisans. OK? Il a fait travail là pour permettre que le pays avance. OK? Et tout le monde a toujours aimé que l'administration de l'État, c'est des gens qui bon, des experts, qui ont fait des analyses sans il va dire, républicains ou démocrates. Pour aider à prendre une décision. Maintenant, révocation en masse, c'est qui ça lié? Et pour BBT, il parle de 50 000 personnes rapide, il va le révoquer. Et remplacer rapidement. Remplacer, comprenez bien. Il va remplacer au passage des loyalistes, des partisans. C'est des séries de monde qui, par honte, qui ont menti, qui ne font aucune analyse et qui prennent des déductions, des rapports pour satisfaire le président. Pas oublier que l'État est surtout dirigé par un ensemble d'agences qui fait des analyses et tout le monde sait, en fait, l'administration publique là, puisque c'est des séries de partisans, ils prennent le produit pour la satisfaction du président. Et ils prennent le café pour agir. C'est comme quoi, Mdadou, sans Sénat à pas voter, ils prennent le changer, puisque c'est au niveau de l'administration publique là, puisque ce sont des bons partisans qui prennent en juste, fait des actes, tout ça, Donald Trump voulait. C'est leur système côté que comptable limite comptabilité de côté docteur la limite tout ça en médecine de côté donc toute analyse de bagali c'est des royalistes voilà le mot des monde qui loyal qui pas gain aucune probité donc c'est ça donc son révocation en masse justement pour satisfaire Zandarelli ça bon, on dit bien la royauté et ça l'a dit pour satisfaire justement les desiderata les besoins de la royauté de Donald Trump et pas oublier Donald Trump, t'es bien intention, et t'es voulu faire bagay ça depuis notre premier mandat là. Depuis notre premier mandat là.
Yon lot bo, nèg yo pral justement e atake seryèzman ou ansanm de pratik nou kapab site pou. Ou kapab al gade nan page 483. Yon kote ke sa nou li kontrasepsyon, ou metab planning, ou moun ap wap fè bon apèche ou bezit, yon ki yo pral deklare ilegal. Ok? Ok? Bon, mèm jan tou, medikaman pou avotman, koze sa yo tout ilegal. Mèm jan tou, lò pale de gay, lesbienne, moun sa yo mèm, yo pale konsidere yo kom de menas pou la sosyete. Swa mwen si ekstrem. By the way, e nou sonje de semen nan la ki jan ki yon dam pral mounri. Pral mounri. Dokter, gant an fè ton analizi, di pitit nan men, nan van ni an pap sove. Nou kont bale la ou Texas. Texas di bagen bale kon sa. Son va moun ta ri, on vi kon ti moun nan vante, dokter fè tout examen, ti moun nan pap viv. Li bezwen fè avotman Texas, di pa gen baye kon sa. Dam nan se lon lot tet li obije travesse, pou l pa mouri. Son va exagere net. Men dan ski atre avèk, nou menm nou kwen nan liberté, sa moun nan vle fè avèk koli, la loi pa ta suppose, obije, la loi, e pa juj ki te suppose a baye autorizasyon de sa moun nan vle avèk fò, vle fè avèk kol, se yon veritab, et aberration baka la nan Supreme Court. Supreme Court Texas oui font camper il dit d'amnan poko ka avotman d'amnan pou lèl ka mouri il déplacé la dans l'autre state. OK, donc ça c'est un avant goût de pas oublier que ça c'est au niveau de state. Vous imaginez on est yo vini avec des pratiques comme ça yo mettez du fédéral on va être chargé yo envisager pour yo pour gain ça nous relayer un état militarisé côté que law enforcement pour le travail quoi entrer la caïe moun arrêter. OK, et construit plusieurs prisons en masse. Donc dans le sens que qu'on est là on va gagner immigration pour le temps qu'on cause des gays. Au moins nous quand on regarde immigrants c'est gay rentrer ils sont guerriers mais former des centres de détention extrême. C'est la guerre parce que généralement militaires pas entrer à l'intérieur du pays donc on va gagner des militaires à l'intérieur du pays en opération. C'est comme quand d'adou ils considèrent causer à chercher les immigrants, c'est comme si son bagage la guerre. Yo bralé tout font gens pour que yo réduit influence de sanitaire les local enforcement. Nous connaît de on state à on state bagage yo kon changer. Jean il supprimer mandat en blanc lorsque il t'a marqué de trois côtés ou de gain California qui te dit lui même son sanctuary state en pile mental réfugié. Mais l'idée pas c'est que depuis son local enforcement qui élu qui n'en poste qui va t'aller faire bagarre là et gens yo vle là yo pral prosecute yo. Si par exemple district attorney yo tant que ça qui dans Georgia ça qui dans New York là yo pral mettre dossier sur yo pour yo prosecute yo dans le sens que pour que même lorsque c'est pas yo gain district attorney pa yo pour forcer politique pa yo fait dans ces ça et yo pral justement yo n'en pral faire FBI, directeur FBI, là, nous capable constater, il était sous Trump, il était sous Biden, il a toujours une certaine indépendance, puisque le passé normalement, il parle de réduire sa indépendance, indépendance directeur de l'FBI, ou comme ça veut dire, puisque FBI, qui c'est une agence assez important, donc, donc il parle de justement, retirer indépendance, ça, que directeur FBI, là, tu toujours gagné, mais Biden fait 4 ans, là, il va changer rien, non, FBI, il a toujours quitté le même, ok? Et dans plan ça, il va les réduire à faire pour gagner plusieurs général de l'armée. Son façon, si on quitte une ou bien deux, son façon que pour Donald Trump capable tout bon véritable général de l'armée. Donc, éliminer, révoquer un pile général de l'armée, gagner moins général possible, son façon j'en dis là pour battre Trump plus pouvoir. OK? Et d'ailleurs, il a gagné intention écraser sa nouvelle homeland security, remplacer par de préférence par un bagaille un border security agency. Et qui pral camper bataille justement et avec immigrants et qui pas faire bataille contre ça nous songe actuellement là ça nous les far right group nous on parle avec ou la homeland security li gen des plans drastiques pour bataille avec extrême droite ça ou bien groupe ça qui vient là les retire homeland security la baille liberté avec ça nous les far right n'a parlé de extrême droite groupe justement mais yo pas mener combat bali. Et dans les plus loin, nan, si parler qui yon gen avec Nasuit Press, yon fait qu'on yon gen intention invoke, eh ben, yon est chargé. Ça nous relè insurrection ak. Insurrection ak la, c'est un bagay qui pratiquement baye pouvoir
et liberté pour dire que bagarre tête chargée et puis attaquer tout le monde qui pas d'accord avec lui. Si même les tagon ti manifestation anti camping et puis attaquer lui, leur invoquer insurrection acte. Maintenant comprendre bien, ça l'on dit là là ami pam, tout ça tout là quoi me souvle. C'est un petit gratté. Parce que nous bien tous c'est un document de 2000 pages. C'est un petit bosser ne bosser. Parce que yo même dit bah overtime qu'on va gagner. Il va le camper dans même livre ça overtime on connait qui veut importance overtime gain pour en pile on connait ça veut dire overtime ami pam pour malheur si tout pour malheur donc yo même dit on va le faire camper avec al garder page 592 pour côté que dit même il a intention camper causer overtime donc voilà donc son plan machiavélique son plan machiavélique ça nous relé et projet 2025 je nous dis au capable font al garder et s'ouvrir avec Jepao. Et maintenant, tout ça, nous bien dit, oui, c'est dans l'éventualité où tu as un Trump qui retourne au pouvoir. Mais il faut nous d'accord, nous ne pouvons pas battre tête, nous mentir. Et j'ai toujours dit, nous toujours été sincères avec mon nous. C'est qu'effectivement, il faut nous d'accord que, je ne j'ai dit, il n'y a pas grand-chose pour dire Trump et Biden gagner d'avance. Ok? Il est clair que je ne j'ai dit, ou doué comme ça, qu'effectivement, ou capable de gagner ou Donald Trump. Mais encore, nous toujours dit, nous avons 10 mois, tout peut changer. Et but fuck Biden les FPL et nous même ça nous t'a souhaité pourquoi pas ni bonnet pourquoi pas une alliance qui gagne entre Biden et Kennedy nous pensons que c'est véritable solution parce que ça d'ailleurs montré en même temps Kennedy contrairement à ça on a pensé après n'importe 19-16% Kennedy a pris là ok moi je pense c'est une alliance entre Biden pour sauver le pays. Et Kennedy, c'est une très bonne alternative, dépendamment de Jean Bagayo orienté. L'homme dit, en alliance, il veut dire, soit Biden dit, bon, ok, je prends Kennedy pour premier ministre, il veut dire Kamalis. Ou encore, si Biden rend compte tout bon, vous bien dire, ça va dépendre, parce que Libonet, il y a 10 mois. Si tout bon, vous et chaque jour qui a passé, mois qui a passé, et que le code de popularité Biden a détérioré, nous bien dit, si tout bon, vous à ce moment de la durée, si l'Iran est un pays à vrai, pourquoi pas, elle doit faire une alliance et puis quitter John Kennedy aller. Tout simplement, puisque John Kennedy, je me rappelle, qui au départ, il voulait aller sous les démocrates, nous comme ça. Il n'y a marqué, il y a tellement marqué, il dit, bon, ok, je vais retirer comme indépendant. Mais John Kennedy, et c'est en tant que démocrate au départ que il voulait aller. Donc voilà, guys, nous devons justement pour te update ça pour vous. C'était un plaisir.